un sentiment particulier en arrivant au début de la prépa. C'était quelque chose qu'on avait en tête, arriver en finale de l'Euro, mais entre l'avoir en tête et y arriver, y a eu des matchs et des adversaires, ça a été compliqué. Et c'est une fin qui est inimaginable pour moi. C'est vrai que j'ai eu le maillot d'équipe de France qu'à 30 ans et pouvoir finir ma carrière avec ce maillot et en plus en finale de l'Euro, c'est vraiment magique. Et maintenant, voilà, il reste un match contre l'Espagne. C'est vrai que voilà, c'est un adversaire qui est compliqué, qui est dur, qui défend très bien, qui aime beaucoup le jeu rapide. Donc nous, il va pas falloir qu'on perde trop de ballons pour pas les laisser exploiter leur jeu. Et voilà, ce sera 40 minutes de bagarre pour essayer de gagner. La dernière fois qu'on a joué contre elle, on a perdu en finale. Donc j'espère que cette fois, ça sera pour nous. Mais ça sera compliqué. Il faut pas. Il faut juste penser à ce qu'on a à faire pendant le match, au-delà de que ce soit une finale, au-delà qu'il y ait une médaille d'or derrière. Il faut juste respecter les consignes du coach et être appliqué sur ce qui nous sera demandé demain. Et si on fait tout bien, ça devrait passer.